On voit que les jeunes sont globalement conscients des dangers auxquels ils sont exposés sur leurs moyens de paiement et leurs données bancaires, mais ils ne sont pas assez prudents. On sait à travers notre étude en déclaratif leur exposition réelle au risque. 14% nous disent avoir déjà été exposés au phishing, 10% au piratage de la carte bancaire et 7% quand même à l'usurpation d'identité. Par contre, leurs pratiques ne sont pas en phase avec cette perception des risques qu'ils ont. Ils sont peu prudents. La première chose qu'on constate, c'est qu'ils n'épluchent pas assez, ils ne checkent pas assez leur relevé bancaire. Il y a quand même 25% des jeunes, des 16-24 ans, qui ne vérifient que les gros montants. Or, on sait que les fraudeurs sont malins. C'est par petits montants de 10 euros qu'ils vont capter de l'argent sur vos comptes. Et il y a même des insouciants qui, à 13% de cette tranche d'âge, 16-24 ans, ne vérifient jamais rien. Et l'autre point, c'est qu'un tiers d'entre eux font des mots de passe trop faciles à pirater, c'est-à-dire avec des éléments contenant des éléments d'identité ou n'alternant pas des majuscules, des minuscules et tous les signes kabbalistiques qu'il faut essayer de mettre dans un mot de passe pour le renforcer. Donc ça, c'est un autre volet sur lequel on peut agir pour renforcer la sécurité des données bancaires et des moyens de paiement. Dernier point de vigilance, c'est le smartphone. Le smartphone est essentiel dans la vie des 16-24 ans. Et souvent, un jeune sur quatre, il stocke ses données bancaires et la moitié d'entre eux ne met pas de code de verrouillage. Donc c'est double cadeau pour le voleur. Il a le smartphone et l'accès à vos comptes bancaires. Donc là, il faut faire aussi davantage attention. Et puis, un jeune sur quatre se connecte à ses comptes bancaires via le réseau Wi-Fi non sécurisé. Donc là aussi, c'est du bonheur pour les pirates, donc il faut éviter de faire ça. Donc voilà les conseils qu'on peut rappeler pour que les 16-24 ans se protègent contre le piratage des moyens de paiement et des données bancaires.